Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, je vais essayer de vous amener avec moi. Là, j'ai un petit contrat de déboisement. Je suis venu amener la Mécalac hier. C'est mon premier contrat avec la Mécalac pour ce genre de contrat-là. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter comparativement à ma pelle. Je vais faire un peu de broyage forestier. Là, j'ai ma tête Osma également. Donc, c'est un petit terrain résidentiel. Je travaille en sous-traitance pour Simon Arbre, donc j'ai pas encore le détail de à quelle quantité on coupe, là. Donc c'est le projet d'aujourd'hui. Je vais essayer de me filmer en travaillant, puis que j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Je vais essayer de trier un peu du beau bois, mais il va y avoir peut-être un peu de cochonnerie en dessous, là, mais... Ouais, ça, je pense que ça va être assez... Parfait.
arme. C'est ça, ouais, je suis d'accord. C'est tellement dangereux ces armes-là qu'avec la cochonnerie. Ouais, il y a bien de la branche morte. Là. Les beaux bio. 20 minutes qu'on est prêt à ramper ça comme du monde. Parfait. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, du bois pourri de même, tu sais, c'est limite, là, ça va me prendre du temps à le broyer, mais je devrais être capable de le faire. Là. Fait que ça va faire ça de moins. Yes.
branches à trimer. Juste dans le fond, il y a une branche là, qui gosse. Hein? Tu sais, je t'aime comme t'es, Simon. T'as pas besoin de te mettre belle. Bon, ben voilà, fruit d'une journée de travail. C'est quand même bien été. C'est fun d'utiliser le Mécalac pour la première fois. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait en conditions réelles. Puis je suis très, très satisfait, je dois le dire. Ça roule. Le fait que l'hydraulique soit très forte au niveau des chenilles, ça fait que les déplacements sont beaucoup plus faciles. Puis est très stable aussi. J'avais hâte de voir le poids avec les bio en pente, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Puis finalement, aucune déception de ce côté-là non plus. Donc, la bonne nouvelle. Puis ben, j'ai cette montagne de branches à broyer. Vous avez vu une petite séquence
que j'essaie le broyeur pour la première fois. Ça aussi, là, ça va bien parce que l'hydraulique est un peu plus forte. L'hydraulique auxiliaire est un peu plus forte que ma pelle. Donc, ça, c'est des bio qu'on a mis de côté aujourd'hui. Donc, voilà. Beau petit projet. Demain, je vais venir finir de broyer. J'en ai pour une autre demi-journée peut-être. Donc aujourd'hui, ça va avoir été peut-être un 7 heures tranquille. Donc un autre peut-être 3-4 heures demain. Donc beau petit projet. J'ai juste commencé un peu, là, il y avait une autre petite montagne de branches. J'ai commencé, ça va avoir l'air de ça une fois fini. Dérouiller ma tête Osma. J'ai passé l'hiver dehors. Un des constats, c'est que ça consomme plus d'essence. Oh!
il reste quelques souches arbotées au printemps, quand il arrive à avoir moins de neige. Puis c'est sûr que les souches, la gestion des souches est tout le temps problématique. Là. C'est tout le temps l'excavateur qu'il faut qu'il se démêle de qu'est-ce qu'il fait avec ça. Fait que c'est toujours un casse-tête. C'est pas partout qu'on est capable de se débarrasser dans les souches, dans les Laurentides en tout cas. Donc, mais ça va être le problème de quelqu'un d'autre pour ce projet-ci. Voilà, fait que, travaux pas mal complétés, ça va avoir pris une journée et demie, mettons deux jours, mais bien relax à jaser, puis à pas travailler en fou. Fait que un beau petit contrat bien agréable, ça a super bien été, je suis vraiment content de la mécalac, fait que j'ai tout fini de broyer la montagne de branches. Ça va avoir pris à peu près 4 heures en tout et pour tout broyer les deux tas de branches que je vous ai montré plus tôt, fait que... Ça fait une belle job, prête à l'excavation. Il me reste là, je vais enlever le broyeur, il me reste une coupe de bio, là, un arbre qu'on vient de couper, un gros érable. Donc, il me reste sans ramasser, sinon pas mal un contrat complété. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On se revoit dans une prochaine lubie.